tout ça en bête réalise que c'est des maths. Vous n'avez pas réalisé ça. Je la main, hein. Ça va vraiment être bien là. Ok, donc on va y aller parce que je... Ceci, c'est suffisamment explicite pour que je ne dise pas ce que je sens. J'entends par là. Ok. Si jamais il y a un téléphone qui sonne, il y en a un deuxième là. Mais il est plus vache, donc... Voilà, j'ai un petit peu modifié le titre de mon exposé qui était un peu trop long, donc maintenant je propose comme nouveau titre, c'est la première fois que je donne un titre avec une seule lettre, voilà, donc je vais vous parler de R, ce qui est un peu plus simple. Donc je vais vous parler de l'ensemble des nombres réels, ou de la droite réelle, si vous voulez. Et alors mon titre était beaucoup trop présomptueux, j'avais mis les grands problèmes non résolus. Horreur, non, quelques grands problèmes non résolus, parce qu'il y en a, je ne peux même pas expliquer en 10 minutes, bon, donc il y en aura quelques-uns. Mes collègues matheux dans la salle qui diront, ben, t'as pas parlé de ça, oui, mais c'est... Bon, je peux pas tout dire. Voilà. Donc l'exposé va durer 1h15, je vais encore faire une dernière tentative. Ça, c'est petit Gibus dans la guerre des boutons. Ça va tout le monde, est-ce que... Oui ? Ok, bon. Alors, donc, je vais vous parler des nombres irrationnels pendant environ 30-35 minutes, 30 minutes, des transcendants pendant 25-30 minutes, et puis rassurez-vous, la troisième partie sur les nombres normaux que beaucoup de gens ne connaissent pas. Ça, ce sera un quart d'heure, donc ça devrait faire 1h15. Mais il est déjà 7h07. Hein. Ok, et je vais parler très vite, donc si vous espérez noter, il faut poser votre pic pour y arriver. Voilà. Alors, première chose, les nombres irrationnels. Bien, les nombres irrationnels sont nés dans le sud de l'Italie, et la découverte des nombres irrationnels, comme beaucoup d'entre vous le savent, est due à certains pythagoriciens. Donc, les pythagoriciens étaient une communauté mathématique que Pythagore avait réunie dans le sud de l'Italie, à Crotone. Oups, ça va ça? Oui, là, c'est bon. Comme ça, c'est... Oui. Ah, on voit mieux. Ok. Donc au 6e et 5e siècle avant Jésus-Christ, ces pythagoriciens ont fait des tas de choses, notamment des maths. Je vous montre où se trouvent les deux villes, enfin, la ville où se trouvait la communauté des pythagoriciens. Donc, vous voyez ici le golfe de Tarente dans la côte de l'Italie. Là, il y a un patelin qui existe encore, Crotone. C'est là que Pythagore a fondé sa communauté des pythagoriciens, et je vais citer un monsieur qui s'appelle le Hippasos de Metapontium. Metaponto existe encore, c'est un encore plus petit patelin qui est là. Comme ça, vous avez vous pour y situer. Donc les nombres irrationnels sont nés là. Alors ils sont nés comment? Eh bien, les pythagoriciens avaient cette idée suivante. Quand on prend deux longueurs, chez eux c'était deux grandeurs, mais je vais le faire pour des longueurs. Deux longueurs L et L', on va dire qu'elles sont commensurables, c'est-à-dire qu'elles ont une mesure commune, si et seulement si il existe une longueur U, si vous voulez, qui entre un nombre entier de fois dans L et un nombre entier de fois dans L'. Autrement dit, s'il existe une longueur U et deux entiers N et L', tels que L soit égal à NU et L' soit égal à L'. Et alors, ces deux longueurs ont une commune mesure qui est U. La vision actuelle des choses, ce serait de dire le rapport des deux longueurs, c'est évidemment n sur n prime, et si les deux longueurs sont commensurables, ce rapport est un nombre rationnel, grand Q. Ok, et alors maintenant vient le choc qui est dû, la tradition dit que c'est un certain Hippasos de Metapontium. En latin, c'est devenu Hippasus de Metapontum, et en français, si vous prenez des bouquins en France, ce monsieur s'appelle Hippas de Métaponte. On a vu Belfius. Hippas de Métaponte, vers moins 450, serait un pythagoricien qui aurait choqué les autres pythagoriciens en montrant qu'il existe des couples de longueur qui ne sont pas commensurables. Ça, vous connaissez tous l'histoire, donc je vais aller très vite. Hein. Il aurait prouvé que quand on dessine un carré, donc il ne faut pas aller loin, et qu'on prend, qu'on appelle C la longueur d'un côté, D la longueur de la diagonale, eh bien, ces deux longueurs, C et D, sont incommensurables. Ce qui pour nous revient à dire que, puisque le rapport D sur C vaut racine de 2,
que racine de 2 est irrationnelle, mais eux ne le voient pas comme ça. Ok, petite remarque en passant, mais du point de vue, j'aime pas dire philosophique, parce que j'aime pas la philosophie. Disons, allez, on pourrait dire, ça c'est vraiment, hein, pour montrer ceci, il faut vraiment faire un raisonnement mathématique. Vous avez beau faire des mesures, prendre une règle et essayer de voir, tiens, je vais prendre un nu qui est ça, je vais voir s'il va un nombre entier de fois là et là. Vous allez voir que ça ne va pas, vous allez prendre un autre U, et alors, et alors, et alors. Vous voulez montrer qu'il n'y a pas de U. Donc ici, sans le raisonnement mathématique, vous n'y arrivez pas. Vous allez vous faire des mesures, ça ne prouve rien. Autre, disons, à l'opposé, prenez le théorème de Pythagore que tout le monde connaît. Si vous voulez vérifier qu'il est à peu près vrai, ben vous faites plein de mesures de côté de triangle rectangle, vous voyez qu'en gros, ça a l'air vrai. Donc là, le fait de mesurer vous aide. Ici, le fait de mesurer vous aide pas. Donc il faut faire un raisonnement. Quel est le raisonnement de Hippasos de Metapontium? On n'en sait rien. Mais il y en a deux plausibles. Il y en a un que tout le monde connaît avec de l'arithmétique, et puis on joue avec des nombres pairs et impairs, je ne vais plus le refaire. C'est celui que Aristote a transmis bien après, sans dire que c'était le raisonnement d'Hippasos. Autre possibilité, il aura un raisonnement géométrique, que je vais vous montrer, parce que c'est très court, c'est très joli. Donc je préviens, dans l'exposé, je vais faire 4 démonstrations. Celle-ci est très courte. Alors. Donc je prends, au lieu de prendre tout le carré, je vais prendre uniquement ce triangle rectangle-là, et je dois montrer que un côté de l'angle droit et l'hypoténuse sont incommensurables. Alors procédons par l'absurde. Supposons que C1 D1 soient des multiples entiers d'une certaine longueur U. Ah ah, alors astuce, c'est très joli, hein, c'est très joli. Astuce, vous faites ceci. Vous prenez votre compas, vous mettez la pointe là-bas et vous rabattez, vous tracez cet arc de cercle rouge et vous rabattez cette longueur C1 sur l'hypoténuse. Et puis en ce point-là, vous tracez la tangente à l'arc de cercle qui va couper le côté de la base là-bas. Qu'est-ce que vous pouvez dire? Ben, ici vous avez un angle droit. Cet angle-ci valait 45 degrés. Donc celui-là, c'est toujours le même, il vaut 45 degrés. Oui, mais dans ce triangle rectangle, si cet angle vaut 45 degrés, celui-là aussi. Donc ce triangle rectangle est isocèle. Ah ah, comme celui de départ. Enfin, il est isocèle. Mais en plus, c'est déjà presque fini. Hein. De ce point, remarquez qu'on a mené 2 segments tangents au cercle rouge. Mais tout le monde savait à l'époque qu'ils avaient la même longueur. Donc celui-là a la même longueur que celui-ci. Donc ces 3 segments ont la même longueur. Mais remarquez que je viens de fabriquer un plus petit triangle rectangle isocèle, plus petit que celui-là, qui a les mêmes propriétés. Pourquoi? Regardez. Mon hypothèse, c'était que C1, D1 étaient des multiples entiers de U. Mais qu'est-ce que c'est que C2? C2, c'est ça, c'est-à-dire D1 qui est un multiple entier de U, moins ça, qui est C1. La différence de 2 multiples entiers de U, c'est un multiple entier de U. Donc C2 est un multiple entier de U. Et D2, c'est C1 moins ça. Mais ça, on vient de voir que c'est C2. Et on vient de voir que C2 est un multiple entier de U. Donc D2 aussi est un multiple entier de U. Alors on devine maintenant où ça va foirer. C2, D2 sont des multiples entiers de U. Ben, on continue le processus. Peut-être qu'à l'époque, ils se contentaient de dire, on voit bien que le triangle va devenir de plus en plus petit. Donc, nous, on dirait, ben oui, la suite des C1, C2, CN va tendre vers 0. Vous n'avez pas la notion de limite. Remarquez que si on veut justifier, il suffit de remarquer que, regardez, si je prends ce segment-là, je le rabats ici, avec mon compas, j'obtiens C2 plus C2, mais je n'arrive pas au bout. Donc C2, C2 est plus petit que C1. Donc C2 est plus petit que C1,5. Conclusion, si je prends la suite des CN, chaque terme est strictement plus petit que la moitié du précédent. Et ça, à l'époque d'Archimède, en tout cas d'Euclide et ainsi de suite, c'était le test pour dire que quelque chose, ils ne disaient surtout pas tendre vers 0, mais ils en déduisaient que si elle est suffisamment grand, on va trouver un CN qui est plus petit que n'importe quoi qu'on se donne. Voilà. Donc en répétant cette construction un nombre suffisamment grand de fois, on va trouver un CN multiple entier de U, strictement entre 0 et U, tout s'écroule, donc c'est fini. Voilà. Ça, c'est une des démonstrations possibles. Ok, alors, qu'est-ce qu'on sait d'autre? Ben, on sait que au 4e siècle, donc un siècle plus tard, Platon, donc disons pour nous, racine,
on a prouvé à cette époque-là que Racine de 2 était rationnel. Mais Platon, dans un de ses dialogues, Théétète, fait parler Théétète avec Socrate, et Théétète dit à Socrate, Théodore de Cyrène, qui était un des maîtres de Platon, Cyrène c'est en Libye, la Libye n'existait pas maintenant, Théodore de Cyrène a prouvé que, alors regardez, il dit ceci, il ne le dit pas comme ça, hein, mais je le mets pour aller vite. Théodore de Cyrène a été plus loin, il a prouvé que racine 3, évidemment on ne prend pas racine 4, ni racine 9, ni racine 7, racine 5, racine 6, ça donne même jusqu'à racine de 17 sont irrationnels. Remarquez en passant dans le texte de Platon, qui est le texte, on a une copie du texte original, il ne parle plus de racine 2. Ce qui prouve bien qu'à l'époque, il ne fallait plus en parler, c'était acquis que racine 2 était irrationnel. Donc, Théodore de Cyrène aurait réussi à démontrer que tous ces nombres-là bleus sont irrationnels. Ok, et maintenant vient une question naturelle, si on est matheux. C'est très bien, mais si on reprend les démonstrations classiques, chaque fois il faut adapter. Quid de racine 153e de 37 ou de racine 1515 Marignan sur 1789? On aimerait bien avoir un théorème plus général, mais ça il ne l'avait pas. Alors, deuxième démonstration, c'est la plus longue que je vais faire maintenant. Qui a trouvé l'astuce pour régler tout ça d'un seul coup de cuillère à l'eau, génial, simple, et très très court? C'est Gauss. Gauss qui avait 21 ans. Ah oui, j'ai oublié de vous dire quelque chose. Non, je ne vais pas vous le dire. Vous allez vous le dire. Si je dégraine, vous le dire. Regardez. Parce que dans le texte, Théétète dit, je n'ai pas compris pourquoi il s'arrêtait à Racine. Rien bon. Alors, explication possible, si la démonstration était géométrique. Vous voyez, ça, ce serait le petit triangle rectangle isocèle qui permettrait de prouver que Racine de 2 est irrationnelle. Certains disent, peut-être que... Peut-être que Théodore avait fabriqué ce qu'on appelle une spirale de Théodore, en répétant plus ou moins le même raisonnement à chaque étape. Et alors, coup de bol, si on essaye de continuer après racine de 17 et qu'on trace le triangle d'après, il recoupe celui-là. Et ça doit être gênant, enfin, je ne sais pas. Certains disent que c'est ça la raison. Bon, alors, Gauss, tout le monde connaît Gauss, âgé, avec son chapeau, bonnet de nuit. Mais Gauss, à l'époque, il ressemblait à ceci, j'ai trouvé un beau portrait couleur. Donc, à l'époque où il a démontré ce théorème, voilà Gauss. Oui, bon. Donc, il avait 24 ans, donc c'est vers 25-26 ans. Alors, regardez ce qu'il va démontrer. Donc, ceci devrait faire fuir les non-matheux. Désolé, hein, parce que... Bon. Donc a priori, on se dit à quoi ça peut servir. Vous allez voir, c'est super efficace. Bon. Il a prouvé que si on prend un nombre réel alpha, qui est racine d'un certain polynôme à coefficient entier, mais ce n'est pas tout, ce polynôme à coefficient entier, le terme de degré le plus élevé doit avoir un coefficient 1. C'est ce qu'on appelle un polynôme monique. Donc ça doit être un polynôme monique, coefficient 1, et tous les autres coefficients sont entiers. Eh bien, toute racine réelle d'un tel polynôme est... soit un entier, soit un irrationnel. Et alors, on ne sait pas si vous allez voir. Bon. Mais je vous le démontre, tellement c'est court. Qu'est-ce qu'elle doit faire? Ben, alpha est soit irrationnel, soit rationnel. Donc il suffit que je montre que s'il est rationnel, il est entier. Donc supposons qu'il soit rationnel. Supposons qu'il est un quotient m sur n de deux entiers. Et même s'il est négatif, je peux supposer que l'entier du dessous est positif. Ça va, je mettrai le signe moins dans le M. Et que la fraction est réduite, que le PGCD de Mn vaut 1. Donc ça, c'est pas restrictif. Ok. Et maintenant, mais qu'est-ce que je dois faire? Je dois prouver qu'alpha est entier. Donc maintenant, mon but est de prouver que N vaut 1. Bien, c'est fini. J'ai le théorème. Bon. Alors, allons-y. Ben, on va remplacer, puisqu'alpha est racine, on remplace dans l'équation. Ça donne ça. Vous pensez bien qu'on va chasser tous les dénominateurs. Donc on va multiplier par un exposant K. Je sais que je vais éviter, mais je prétends que c'est très simple. Et on va trouver ceci. Voilà ce que ça donne en multipliant par un exposant K. Et puis on garde le MK à gauche et on met tout le reste à droite. Et dans tout le reste, dans tout ce qui reste, il y a un facteur N qu'on met en évidence. Bon, alors on est presque au bout, rassurez-vous. Mon but est de prouver que N vaut 1. Mais N était positif, strictement. Donc je vais supposer qu'il est strictement plus grand que 1. Si je prouve qu'il y a une contradiction, je sais maintenant qu'il faut 1. Supposons qu'il soit strictement plus grand que 1, ce n. Ben,
tout entier strictement plus grand que 1 est divisible par un nombre premier. Je l'appelle P. Donc je prends un nombre premier qui divise N. Et alors ça y est presque. Puisque P divise N, et N est un facteur, P divise tout le membre de droite, donc il divise le membre de gauche, mais quand un nombre premier divise une puissance d'un entier, il divise cet entier. Et donc P divise M, il divise N. Mais ça, c'est pas possible, puisqu'on avait dit que le PGCD valait 1. Youpi, contradiction. Donc, N vaut 1, et alpha est un entier. Vous voyez, c'est tout bête, hein? Ça c'est la caractéristique des grands génies du jeune, c'est que personne n'avait pensé à ça. Bon. Et alors ben, conséquence immédiate maintenant, vous allez voir, ça prend deux lignes. Conséquence immédiate. Supposons que vous preniez un entier grand N strictement positif qui n'est pas une puissance Kn d'un autre entier. Et vous voulez prouver que la racine Kn de grand N est irrationnelle. Ok, ben, avec Ko strictement plus grand que 1. Puisque j'ai dit que grand N n'était pas une puissance d'un Km d'un autre entier, si j'appelle alpha cette racine Km, ça veut dire qu'alpha n'est pas un entier. Juste? Bon, ça je le sais. Ça découle tout de suite des hypothèses. Oui, mais allez, idiotie, alpha est racine du polynôme x exposant k moins n, qui est bien monique à coefficient entier. Youpi, c'est fini. Donc il est irrationnel. Et oups, vous avez liquidé toutes les racines Km de grand N, sauf les triviales. Maintenant, si vous voulez vous amuser, regardez, problème beaucoup plus coriace. Imaginez que vous posez la question suivante. Vous demandez, est-ce que racine de 5 plus racine cubique de 7 ne serait pas irrationnel? Avec ceci, ça va vite. Hein? Si vous connaissez le truc de Gauss, comment on fait? Eh bien, on appelle alpha ce nombre-là. On prend sa petite machine, on voit que ce n'est pas un entier. Donc, pour prouver que ce nombre est irrationnel, puisqu'il n'est pas entier, il suffit que je fabrique un polynôme monique à coefficient entier qui a alpha comme racine. Alors, c'est pas compliqué, hein. On met racine de 5 à gauche, on a ça, on élève au cube, et puis je vous laisse, enfin, c'est tout bête. Vous continuez et vous attrapez un polynôme du 6e degré dont alpha est racine. C'est un polynôme monique, tous les coefficients sont entiers, youpi! Alpha est irrationnel. Oui, c'est super, super efficace. Bien. C'est déjà deux démonstrations, on en a plus que deux. C'était la plus longue, celle-ci. Alors, maintenant, je vais vous rappeler une série de choses que vous connaissez, une série de choses que vous ne connaissez peut-être pas. Ici, je vais très vite, mais j'en aurai besoin à la fin de l'exposé tout à l'heure, quand je vais parler des nombres normaux. J'espère que vous savez tous qu'un nombre rationnel alpha a un développement décimal qui est périodique à partir d'un certain nombre. Si on va suffisamment loin, il y a un bloc de chiffres qui va se répéter indéfiniment. Et c'est vrai en toute base. Hein. Bon, je le mets en base, cet exemple. 330/306, c'est 3,1, et puis ce bloc va se répéter. Ce bloc, on va l'appeler la période. Maintenant, je vais encore plus vite. Les rationnels forment d'un champ. Bon, ça va. Donc la somme de deux rationnels est un rationnel, gna gna gna. Ceci, vous ne le savez peut-être pas. Parce que ça ne se trouve pas dans beaucoup de bouquins, mais imaginez que vous avez devant vous un irrationnel. Par exemple, racine de 2. Et puis, vous modifiez arbitrairement un nombre fini de chiffres dans son développement décimal. Alors, en deux coups de cuillère à peau, et même un coup de cuillère à peau, on va montrer que le nombre obtenu est encore irrationnel. Je vous montre un exemple. J'ai pris, imaginez que je pars racine de 2. Je sais que racine de 2 est irrationnel. Je vais remplacer le 4 par un 6, le 3 par un 9, le 7 par un 2, le 5 par un 2. Et maintenant, je veux prouver que ce nombre-là est irrationnel. C'est bête, bête comme chou. Comment est-ce que je fais? Eh bien, je constate que pour passer de là à là, il suffit de dire que le passage peut se faire. Quand le chiffre augmente, vous voyez par exemple ici, 4 devient 6, je dois lui ajouter 2. 5, 3 devient 9, je dois lui ajouter 6, partout ailleurs je mets des zéros. Et quand le chiffre diminue, 7 devient 5, donc je lui soustrais... Ah pardon, 7 devient 2, je lui soustrais ça. Vous voyez l'idée, hein? Une fois qu'on a vu le truc. Oui, mais ça c'est un nombre qui va être périodique de période 0 à partir d'un certain rang. Donc c'est un rationnel, celui-là aussi est un rationnel. Donc vous avez un irrationnel et vous lui ajoutez, vous lui soustrayez un... Vous avez un irrationnel, vous lui ajoutez, vous lui soustrayez un rationnel, comme les rationnels forment un champ, celui-là aussi est irrationnel. C'est fini. Donc quand vous avez un irrationnel, vous en avez développé.
Combien? Une infinité d'innombrables, mais ça vous en donne quand même beaucoup. Alors, ici, désolé pour les étudiants du secondaire qui seraient là, mais de temps en temps, je vais devoir dire une ou deux petites choses. Bon. On sait que les rationnels forment un ensemble infini dénombrable, et un ensemble infini dénombrable est de mesure nulle. Je n'ai pas tellement le temps d'expliquer, mais je vais surtout vous montrer, on en déduit que presque tous les nombres réels sont irrationnels. Ceux qui ne le sont pas ont une mesure nulle. Ce qui revient à dire, de manière plus imagée, mais plus difficile, que si vous prenez un nombre réel au hasard, la probabilité qu'il soit irrationnel vaut 1. De temps en temps, vous allez trouver un rationnel, mais ceux-là ont une probabilité zéro d'être choisis. Voilà, donc retenez que presque tous les nombres réels sont irrationnels. Alors maintenant, je vais essayer d'arriver... Oui, ça va. Okay. Je vais essayer d'arriver à... J'ai annoncé problème non résolu. Donc, on y arrive. Alors d'abord, qu'est-ce qu'on sait des nombres irrationnels? Vous savez tous que E est irrationnel. C'est même très facile. Oups, c'est même très facile à prouver. Ça se trouve dans les manuels du secondaire. On prend la définition de E comme la série des 1 sur factoriel n pour l'équivalent de 1. Donc, Euler l'a prouvé en 1737. Lambert a prouvé que pi est irrationnel, et Lindemann, à cause de quelque chose qu'on va voir tout à l'heure, a prouvé comme corollaire que toute puissance entière positive de pi est irrationnelle. Donc non seulement pi est irrationnel, mais toute puissance entière positive de pi est irrationnelle. Par exemple, je n'ai pas résisté au plaisir, mais il y en a qui ne vont pas apprécier. Par exemple, voilà. Ça, c'est pi 12. Donc pi 12 est irrationnel. Les gens qui connaissent un peu la polémique à propos de son comportement vis-à-vis des nazis et de la Shoah pendant la Deuxième Guerre mondiale se diront effectivement qu'il a eu un comportement irrationnel. Ce qui est gênant tout à l'heure, c'est qu'on va voir qu'il est transcendant. Ah là là là, oui. Tant que j'y suis, vous n'écoutez pas si vous n'aimez pas, mais vous savez qu'à la foire du livre, hier, il y avait un débat auquel participait Monseigneur Léonard. Alors, je ne sais pas si vous savez ce qu'il a dit. Alors, je vais vous dire. Donc, voilà. Les hommes politiques ne devraient pas se mêler de la validité d'un théorème de maths. Je suis tout à fait d'accord avec lui. Ni de la validité d'un mariage. Vous voyez. Foire du livre hier. Ok. Donc voilà. Alors maintenant, problème non résolu. Ah ah. Pi est irrationnel, E est irrationnel. Est-ce que pi plus E est irrationnel? On n'en sait rien. Est-ce que pi fois E est irrationnel? On n'en sait rien. Mais, vous verrez, on va le faire tout à l'heure, en quelques livres, on peut démontrer, ça va peut-être vous embêter, on peut démontrer qu'il y en a au moins un des deux qui est irrationnel. Et dans le cas où il n'y en a qu'un, on ne sait pas lequel des deux c'est. C'est pas ça. Hein. Donc ça paraît bizarre, on sait comment on peut démontrer ça. On le fera tout à l'heure. Alors, tant que j'y suis, il y a une célèbre constante, mais qu'on n'étudie pas vraiment dans le secondaire, qui est la constante de l'air, qui est, on appelle souvent gamma, qui est la limite de 1 plus 1 demi plus 1 tiers plus 1 sur n, moins le log népérien de n, quand n tend vers l'infini. Cette limite, c'est un nombre réel, dont voilà le développement décimal. On en connaît des flopées de décimales. Euler en avait calculé 16, c'est déjà pas piqué des fers. Hein. Gauss en avait calculé 40, actuellement on en connaît 100 millions. Est-ce que ce nombre est irrationnel? On ne sait pas. Vous allez me dire, oui, mais on va regarder les 100 millions, on va constater que nulle part il y a un bloc qui commence et qui se répète. Oui, qui commence à se répéter, donc ça ne prouve rien. Mais je vous signale que Hilbert en 1900, quand il avait énoncé une série de 23 problèmes non résolus qui devaient occuper les mathématiciens pendant tout le XXe siècle, dans sa conférence à Paris, il n'avait pas cité celui-ci. Parce qu'il trouvait, il le dit explicitement, c'est un problème qui est inabordable pour Hilbert, et il dit même, il est inabordable et nous sommes complètement désarmés face à ce type de problème. Ben, il avait raison, on n'a toujours pas résolu. Mais pour ceux qui voudraient savoir où on en est, eh bien on a montré un certain Papanikolaou a prouvé que si par hasard il était rationnel, tout le monde est convaincu qu'il ne l'est pas, hein. Tout ce qu'on sait, c'est que si par hasard il était rationnel,
avec PGCD de Mn égale 1, et bien alors le dénominateur serait plus grand que 10 exposants 242.080. Donc, si c'est une fraction, elle n'est pas rigolote à voir. Alors maintenant, pour terminer cette première partie, je suis dans les temps. Un petit mot sur la fonction de zeta. La fonction de zeta, je ne vais la regarder que pour des valeurs entières positives de la variable. Comment est-ce qu'elle est définie? Bien, la fonction de zeta, zeta de n, n étant un entier strictement positif, même plus grand que 1, c'est simplement la somme des n-ièmes, la somme des inverses des n-ièmes puissance des entiers. Donc c'est 1 sur 1 exposant n plus 1 sur 2 exposant n plus 1 sur 3 exposant n, ainsi de suite. Ok, alors pourquoi est-ce qu'on ne veut pas que n soit égal à 1? Désolé, je vais de nouveau vite, hein, parce que zeta de 1, c'est la somme des inverses des entiers, et ça on sait que ce n'est pas un nombre réel. Cette série-là diverge, comme on dit. Donc cette somme-là vaut l'infini. Donc ça n'a pas de sens de se demander est-ce que ceci est rationnel ou pas, puisque ce n'est pas un nombre réel. Ok, alors, petit historique sur la fonction zeta pour les valeurs entières. Regardez. Bien, le zeta de 2. Zeta de 2, pendant à peu près 70 ans, le problème avait été posé par un prof de mécanique à l'université de Bologne, en Italie. On se dit, pourquoi est-ce qu'il avait besoin de zeta de 2? Ben, il avait besoin de zeta de 2. Ok, donc il avait dit, tiens, on ne connaît pas la valeur de ceci. Plein de gens s'y étaient mis, et pas n'importe qui, hein. Wallis, Leibniz, Jean Bernoulli, Jacques Bernoulli, bec dans l'eau, rien du tout. Alors ce qu'on sait, c'est qu'en 1731, le dernier de la série, là, Jean Bernoulli, en parle à son élève, qui avait 24 ans à l'époque, qui était Léonard Euler. Il en parle à son élève, qui commençait à faire des maths. Voilà un portrait d'époque, qui se trouve à la bibliothèque d'État de l'université de Bâle. Donc voilà à quoi ressemblait Euler à l'époque. Et alors Euler s'attaque à ce problème, il va le résoudre. Je n'ai pas le temps de vous montrer sa très jolie démonstration qui ne satisfait pas aux critères de rigueur actuels, mais qui est géniale. Bon. Donc il arrive à prouver que zeta de 2 égale pi carré sur 6. Et comme des tas de gens s'y étaient attaqués, que ça avait duré 70 ans, c'est ça qui a lancé le jeune Euler. On a dit, Euler a réussi à trouver la valeur de zeta de 2. Et puis, ben, il a essayé de trouver une formule pour zeta de n. Alors, il a fait un travail acharné, avec des tas d'autres choses entre-temps, tellement acharné qu'il a eu du surmenage, il a fait une congestion cérébrale et il a perdu complètement son œil droit pendant les calculs que je vais vous montrer là. Ça, il n'apprécierait pas. Hein. Surtout que 31 ans après, il va avoir la cataracte à l'œil gauche. Actuellement, c'est des nains, une cataracte. Et donc, il va perdre l'œil gauche aussi. Mais comme il était très fort, il faisait des tas de calculs de tête. Dans une des lettres à un de ses amis, il dit, la nuit passée, je ne pouvais pas dormir. Alors, dit-il, bah, j'ai essayé de tête, dans le noir, de calculer la somme des sixièmes puissances de tous les entiers de 1 à 100. Il dit, je suis arrivé. Il ne dit pas si après ça il a dormi. Hein. Non. Donc il va faire plein de calculs pour essayer de deviner ce que vaut zeta de n. Alors au début c'est joli. Zeta de 4. Donc en 1748 il va prouver tout ceci. Zeta de 4 c'est ça. Zeta de 6 c'est ça. Zeta de 8 c'est ça. Donc il ne regarde que les paires. Zeta de 10 c'est ça. Zeta de 12 ça se complique. Il va aller jusqu'à zeta de 26 qui vaut ça. Et il constate que c'est chaque fois un multiple rationnel de pi exposant le nombre qui est là. Et ce n'est que bien plus tard, regardez, ça prend du temps, hein, qu'il va montrer que, donc en 1750, il va découvrir la formule qui donne zeta de 2k. Alors vous allez dire, pourquoi est-ce qu'il y a un nombre, pourquoi est-ce qu'il y a un moins là de temps en temps? Parce que ces nombres-là qu'on appelle les nombres de Bernoulli sont des rationnels, mais ils sont alternativement positifs et négatifs. Donc voilà la formule qui donne zeta de 2k, ça c'est dû à Euler. Et donc, il sait que zeta de 2k est tout le temps un multiple rationnel de pi exposant 2k. Par conséquent, un multiple rationnel d'un irrationnel, c'est un irrationnel. Donc zeta de 2k est irrationnel. Alors rassurez-vous. Ah, ça va. C'est mon dernier transparent pour ceci. Vous allez me dire maintenant zeta de 2k plus 1. Donc on connaît la formule qui donne zeta de 2k. On sait que tous les zeta de 2k sont irrationnels. Quid de zeta de 2k plus 1?
Je vais vous donner la dernière nouvelle là-dessus. Quid de ça? Alors, il y a deux conjectures. Tout le monde est prêt à parier que zeta de 2k plus 1 est un multiple rationnel de pi exposant 2k plus 1. Ce serait joli si c'était vrai. On ne sait pas si c'est vrai. On n'a pas un seul exemple. Conjecture 2, beaucoup plus faible, prouver que zeta de 2k plus 1 est irrationnel. Évidemment, si la conjecture 1 est vraie, vous avez la 2. Mais si vous avez la 2, pas que zeta de 2k s'écrit comme ça. Alors, beaucoup d'entre vous savent qu'en 1978, il y a eu une grosse annonce par. Quel était encore son prénom? Roger, je crois. Roger Appéry, c'est. Appéry, c'est pas Roger. René ou Roger, enfin bon. Okay. Un Français, en 1978, a montré que zeta de 3 était rationnel. Et puis ça a stagné pendant tout un temps. Alors, je vous donne les dernières nouvelles, et puis on passe au paragraphe suivant. Un jeune mathématicien de l'université de Caen, Tanguy Rivoal, en 2000, a prouvé ceci, qui est spectaculaire. Il a prouvé que zeta de 2k plus 1 est irrationnel pour une infinité de valeurs de k. Mais ça ne dit pas lesquelles. Probablement que c'est toutes les valeurs de k. Bon, c'est déjà ça, hein. Mais vous pensez bien que les gens veulent savoir quid de zeta de 5. Alors, le même Rivoal arrive à prouver en 2001, donc il a dû travailler beaucoup, hein, il arrive à prouver que dans les nombres que voilà, zeta de 5, zeta de 7, jusqu'à zeta de 21, il y a au moins un irrationnel. C'est bien, hein, donc. Et puis alors, un jeune russe, Vadim Zudilin, l'année d'après, on en est là maintenant, arrive à restreindre cet ensemble-ci. Il arrive à prouver qu'au moins un des quatre nombres, zeta de 5, zeta de 7, zeta de 9, zeta de 11, est irrationnel. Donc voilà. Il va se faire coincer un jour ou l'autre, zeta de 5. Non, non. Vous pourriez dire comment est-ce qu'on démontre ça? Alors pour les étudiants qui savent un peu ce que c'est, ben, ce sont des nombres réels. Alors l'idée c'est, mais il faut le faire, hein, l'idée c'est, sachant que les nombres réels forment un espace vectoriel sur le sous-cœur des rationnels, on voit ça comme quatre vecteurs, on regarde le sous-espace engendré, et on démontre que ce sous-espace est de dimension plus grande que 1. Donc ça se ramène à évaluer la dimension d'un espace vectoriel. Bon, voilà. Et alors? Voilà, donc je termine cette petite fin de la première partie. Ah, donc j'avais dit 35 minutes, j'en ai fait 37. J'ai encore un bouquin à vous montrer, regardez, une petite devinette, je l'ai acheté à Paris il n'y a pas longtemps. Regardez, un bouquin qui vient de paraître, mais j'ai mis un post-it sur le nom d'auteur. À votre avis, qui est l'auteur de ce bouquin dont le titre est d'une finesse incroyable? Le bouquin s'appelle Rationnel Monde. Si vous voulez faire un pari. Je ne vous montre pas le nom de l'auteur. Un contemporain ou un... De contemporain, oui. Je ne dis rien, non. Ah, je pensais que quelqu'un allait dire Bart de Wever. Non, personne ne l'a dit. Voilà, ce sont deux Parisiennes, Ludmila Duchesne et Agnès Leblanc. Elles ont intitulé leur bouquin Rationnel Monk. C'est paru chez Hermann. C'est pas terrible, hein. C'est rédigé dans le style des exercices de style de Raymond Queneau. Vous savez, le gars qui monte dans un bus qui se fait écrabouiller de pied par quelqu'un qui a un grand chapeau. Oui. Donc ceci, je ne vous conseille pas de l'acheter, mais bon, voilà. Alors maintenant, quittons les irrationnels. Ça va, vous êtes toujours le coup. Il fait chaud dans cette salle. Les nombres transcendants. Ah. Alors là, je vais aussi aller vite sur le début. Hein. Cette fois-ci, je vais devoir... pour quelques petits détails plus loin, supposer que le nombre alpha est réel ou complexe. Ben, un réel ou un complexe, on va dire qu'il est algébrique si et seulement si il est racine d'un polynôme non nul, hein, pas le polynôme zéro, d'un polynôme non nul à coefficient entier. On dit parfois rationnel, mais si c'est rationnel, on multiplie par le coefficient des dénominateurs, c'est entier. Donc c'est pas restrictif de dire ça. Donc voilà. Un nombre réel est algébrique s'il est racine d'un tel polynôme. Pourquoi est-ce qu'on appelle ça algébrique? Parce qu'à l'époque où ceci a été introduit, c'est-à-dire au XVIIIe siècle, par Euler, eh bien à l'époque, ce qu'on appelait l'algèbre, c'est pas ce qu'on appelle l'algèbre maintenant, à l'époque, l'algèbre, c'était l'étude et la recherche des racines des équations polynomiales.
Et donc quand on, disait algébrique, ça voulait dire au jour avec des polynômes. Donc c'était logique. Sinon, alpha est dit transcendant. Et transcendant, c'est un mot qui a été introduit par Euler. C'est Euler le premier qui a fait cette distinction entre algébrique et transcendant. Transcendant, transcender, en français, ça veut dire aller au-delà de. Et donc Euler disait, pourquoi je les appelle transcendants? Parce que ces nombres-là, ils sont au-delà de la puissance des méthodes algébriques, disait-il. Avec les méthodes algébriques, on ne sait pas les étudier, puisqu'ils sont parasites de Polynée. Je signale en passant que j'ai vu récemment, dans le supplément sport du soir, que je mets toujours tout de suite à la poubelle, mais j'ai quand même vu ceci. Oui, Jovanovic transcende Anderlecht. Donc, le journaliste sportif vient d'apprendre un nouveau mot. Je vais l'apprendre à tous les supporters d'Anderlecht. Je ne sais pas si ça a réussi. Donc, c'est dans le sens dépasser en étant supérieur. Alors, vite maintenant, l'ensemble des réels algébriques, on va l'appeler grand A, et l'ensemble des complexes algébriques, grand A avec une double barre. Alors, quelques exemples rapides, désolé. Mais racine de 2, qui était irrationnel, il est racine de ce polynôme-là, non nul à coefficient entier, donc il est algébrique. Donc il est irrationnel, mais algébrique. Le nombre i, complexe, est racine de x2 plus 1, donc il est algébrique. Il est dans cet ensemble-là. Tout nombre rationnel est algébrique, parce que tout nombre rationnel s'écrit m sur n, et il est racine du polynôme nx moins n, à coefficient entier. Donc tous les rationnels sont algébriques. Ça, donc, bêtes implications, alpha rationnel implique alpha algébrique. Donc les algébriques contiennent la patate des rationnels. Si vous contraposez cette implication, vous avez tout de suite que alpha non algébrique, c'est-à-dire transcendant, implique alpha non rationnel, c'est-à-dire irrationnel. Donc, dans ce que je vais dire maintenant, chaque fois que je dirai on sait que ce nombre est transcendant, en prime cadeau, il est irrationnel. Ça paraît beaucoup plus compliqué de prouver qu'il est transcendant. Alors, exemple de nombre transcendant, E et pi sont transcendants. Tout à l'heure, je vais vous montrer comment on peut faire pi transcendant, sachant que E l'est. Et alors, A et A double bas sont des champs. Ce qui n'est pas évident à prouver. Parce que, oui, il faut trouver, par exemple, si j'ai deux nombres réels racines de polynômes à coefficient gnagnagna, leur somme est racine d'un polynôme. Il faut construire ce polynôme. Bon, voilà. Alors, j'aime pas tellement faire ce type de diagramme, mais pour que vous voyez un peu, regardez, vous avez ici en vert les réels, là vous avez les algébriques en bleu, et ici en noir vous avez les rationnels. Donc racine de 2 est là, pi est ici. Si vous allez en dehors dans les complexes, i est là dans les algébriques, tandis que i pi c'est un algébrique fois un réel, mais comme ça est un champ, i pi est ici. Ok, c'est pas très intéressant, mais. Attendez, maintenant on va faire une chose beaucoup plus intéressante si vous ne connaissez pas. Allez. Je vais vous prouver ceci. Si je prends un nombre algébrique, réel ou complexe, toute racine cayenne, je dis toute racine cayenne parce que si c'est un complexe, il y a des cas. Toute racine cayenne de alpha est aussi algébrique. On a dit que ce n'était pas vrai pour les rationnels. Si un nombre est rationnel, sa racine carrée, en général, n'est pas rationnel. Bon. Et ça, c'est idiot à prouver. Regardez. Mon hypothèse, c'est alpha est algébrique. Donc, alpha est racine d'un polynôme de ce type-là. D'un polynôme avec des AI entiers. Bon. Oui, ben alors, la racine carrière de alpha est racine de ce polynôme-ci. Il suffit de remplacer n par kn, n moins 1 par kn, moins 1, tatata. Et clairement, si alpha est racine de ça, racine carrière de alpha est racine de ça. Donc c'est fini. Et alors maintenant, je peux vous montrer conséquences, deux conséquences intéressantes. Si je sais que pi n'est pas algébrique, si je sais que pi est transcendant, toute puissance entière positive de pi est aussi transcendante. Pourquoi? Parce que si ce nombre, on sait que pi est transcendant, si ce nombre-ci était algébrique, par ce qu'on vient de démontrer, sa racine cayenne serait algébrique. Oui, mais ça ne va pas, puisque pi de l'est. Oui, ça c'est la petite remarque que j'avais faite tout à l'heure. Donc maintenant, on peut dire que pi 12 est transcendant. Et alors maintenant, regardez. Voilà un problème non résolu. Ça, c'est un des gros problèmes non résolus. Je prends pi plus e,
pi fois E, pi exposant E, pi exposant pi, E exposant pi, E exposant pi. Cinq nombres réels distincts, sont-ils algébriques ou transcendants? On n'en sait rien du tout, du tout, du tout. Mais je vais vous montrer que parmi les deux premiers, il y a au moins un transcendant. Ce qui prouvera ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc, ça, je vais le faire, parce que c'est du niveau des petites classes de... Non, de la recto. Regardez, donc, prouvons ceci. Donc, je prétends que au moins un des deux nombres réels, pi plus e, et pi e, est transcendant. Alors, le truc est idiot, hein. Regardez. Démonstration, procédons par l'absurde. Supposons que ce soit faux. Ah ben alors, ils seraient tous les deux algébriques. Ah ah. Donc, supposons que pi plus e soit algébrique, et pi e aussi. Mais les algébriques forment un champ. Donc, pi plus e au carré, ce serait le carré d'un algébrique, ce serait aussi algébrique. Et 4 pi e, ce serait aussi algébrique, puisque 4 est algébrique et le produit des algébriques est algébrique. Donc ces deux nombres-là seraient algébriques. Donc leur différence serait algébrique. Juste, hein, je suis dans un champ. La différence de deux éléments d'un champ, toujours dans le champ. Ah ah, maintenant vous faites le calcul, ça c'est du niveau de toute petite classe. Pi carré, enfin bon, vous voyez, hein, ça vous fait pi moins e au carré serait algébrique. Mais la racine carrée de tout nombre algébrique est algébrique, on l'a vu tout à l'heure. Donc pi moins e serait algébrique. Mais tout à l'heure, on a supposé que pi plus e l'était. Et maintenant, on en déduit que pi moins e l'est. Donc ces deux nombres-là sont algébriques. Alors la fin est facile, hein. Puisqu'ils sont tous les deux algébriques, leur somme est algébrique, mais leur somme c'est 2 pi. Et maintenant, vous divisez ça par 2 qui est algébrique, pi est algébrique, contradiction, youpi, on l'a. Vous voyez, donc on a prouvé qu'au moins un des deux nombres est transcendant, mais s'il n'y en a qu'un des deux qui l'est, on ne sait pas. On ne sait pas lequel. Tout le monde conjecture que ces 5-là sont transcendants. Si vous voulez mettre... Voilà, il ne suffit pas de dire, on en est convaincu. Alors, rassurez-vous. Ah, ça va. Ça va, ça va, ça va. Alors, très très vite maintenant. Oui, je pourrais le laisser aussi comme exercice. Si on modifie arbitre, vous avez un nombre transcendant devant vous, pi par exemple. Eh bien, c'est comme tout à l'heure. Si on modifie arbitrairement un nombre fini de chiffres dans le développement décimal d'un transcendant, le nombre obtenu est toujours transcendant. Pourquoi ça? Alors, je le fais avec pi. Je perds de pi. Je ne vais pas en modifier beaucoup, j'en modifie 3. Je change 4 en 2, 5 en 8, 6 en 1. Et maintenant, sachant que celui-là est transcendant, je vais vous montrer que celui-ci l'est. Je refais le même truc que tout à l'heure. J'ajoute et je soustrais les nombres qu'il faut pour que ça fasse ce que j'ai dit. Vous voyez donc. Ici, je fais 5 plus 3, 8. 4 plus moins 2, 2. Oui, mais chacun des deux nombres que j'ai ajouté, que j'ai écrit ici est rationnel, donc algébrique. Et donc vous avez un transcendant auquel on ajoute deux algébriques. Donc voilà, pour les algébriques forment un champ de résultats transcendants. Oui, ça va vite. Alors maintenant, on va arriver à... Je vais entrer dans les problèmes non résolus, mais je dois un peu vous expliquer l'historique de la chose. Donc, rassurez-vous, hein, je respecte mon timing pour en sortir. Alors, comme je vous l'ai dit, c'est Euler qui a introduit, qui a fait la distinction entre les algébriques et les transcendants, qui a introduit les deux adjectifs. Bon. Ça, c'est en 1744. Donc, il définit comment on l'a fait les nombres algébriques et transcendants, et il conjecture que E est transcendant et que pi est transcendant. Et puis, il meurt. Et ce qui est gênant, c'est que va mourir sans avoir vu un seul nombre transcendant. Vous riez, mais tout à l'heure, dans la troisième partie, vous allez voir que, enfin, vous verrez, on est dans la situation de l'être, maintenant. Où je vais vous parler de nombre, et on va vous dire, je vous dis quelque chose, et vous verrez, on n'en connaît pas. Donc peut-être qu'on va tous mourir sans avoir vu un nombre normal, mais ça c'est pour tout à l'heure. Alors combien de temps a-t-il fallu pour en montrer un? Ben, il a fallu pile poil 100 ans. 1844, c'est Liouville. Et Liouville, il le fabrique, c'est un nombre fabriqué pour. Donc, il n'arrive pas à prouver que E et pi sont transcendants, mais il montre que le nombre que voilà est transcendant. Alors, je dois vous expliquer comment on l'écrit. Ce nombre réel n'a que des 0 et des 1. Donc, c'est 0, alors je vais juste dire où sont les 1.
Mais le 1 est en factoriel unième position, donc première position. Le 2 est en, le deuxième 1 est en factoriel deuxième position. Le troisième 1 est en factoriel troisième position, c'est-à-dire sixième. Factoriel 4, c'est 24. Donc les 1 sont en position 1, 2, 6, 24, 120, ainsi de suite. Donc il est parfaitement défini. Okay, il peut être, on peut l'écrire comme ça. Bien, Liouville montre, ça prend quand même une page et demie. Hein, c'est... Donc voilà, c'est un nombre transcendant. Du coup, vous en avez des tonnes, hein, puisque vous pouvez appliquer mon petit truc. Si vous partez de celui-là, vous modifiez arbitrairement un nombre fini de chiffres, vous en avez toujours, vous avez toujours un transcendant. Mais Liouville va plus loin. Il montre que si à la place de mettre des 1 aux endroits où je vous ai dit, il y a une infinité de 1, attention, hein, si à la place de mettre des 1 là, je mets aux mêmes endroits des chiffres quelconques décimaux, donc les CI, C1, C2, C3 sont des chiffres de 0 à 9, comme vous voulez. Bien. Si j'arrête là et que je dis c'est transcendant, vous allez dire ben non, parce que si tous les CI sont nuls, c'est pas transcendant. Mais Liouville dit ben, il suffit qu'il y ait une infinité de chiffres C, CI ou CK non nuls. C'est un 0. Donc à partir du moment où il y a une infinité de CK non nuls, le nombre est transcendant. Ces nombres-là, on les appelle les nombres de Liouville. Vous allez dire, ouais, ceux-là, on ne les connaissait pas. Ben oui, mais on les a maintenant. Bon. Mais il y a toujours un épi qui traîne. Alors, je vous raconte la suite. Mais retenez pour tout à l'heure qu'un nombre transcendant de Liouville, par exemple, celui-là, ça n'a que des 1 et des 0. Celui-là n'a que des 1 et des 0. Tout à l'heure, on en aura besoin. Alors, rassurez-vous, on arrive au bout. Ah oui, mais c'est mon avant. Pouf, j'ai encore un transparent et demi, et puis j'arrive au ordi. Alors. Suite de l'histoire. Le premier qui démontre la transcendance de E, c'est le mathématicien français Charles Hermite. Les étudiants de la LUNIF connaissent bien hein, les espaces hermitiens, les opérateurs hermitiens, gna gna gna. Ok. Donc il démontre que E est transcendant. Et puis, on n'a toujours pas pire. Hein. Mais Cantor, le créateur de la théorie des cardinaux infinis, en 1874, lui, il arrive à démontrer que les ensembles A et A double barre, les ensembles de nombres algébriques, ces deux ensembles sont dénombrables. Donc il n'y en a pas plus que de rationnels, ils sont dénombrables. Tout ensemble dénombrable est mesure nulle. Donc, dans les réels ou dans les complexes, les algébriques sont de mesure nulle. Donc, youpi, un théorème comme tout à l'heure, l'analogue de ce qu'on a vu tout à l'heure. Presque tous les nombres réels ou complexes sont transcendants. Si vous prenez un réel au hasard, c'est ça qu'il faut bien définir ce qu'on appelle prendre un réel au hasard. Si vous prenez un réel au hasard, il est transcendant avec une probabilité 1. Ah ah. Donc avec ça, on ne sait toujours pas si pi est dedans. Hein. Alors maintenant, je vous montre. Regardez. Ça, c'est Lindemann, celui que j'ai cité tout à l'heure, en 1882. D'habitude, on dit en 1882, Lindemann a trouvé que pi est transcendant. On s'arrête là. C'est ce qu'on dit dans tous les cas. Mais il a fait bien plus que ça. En fait, regardez, il a analysé soigneusement la démonstration d'Hermite. Hermite prouvait simplement que E est transcendant. Donc, E, c'est E exposant 1. Eh bien, ce que va faire Lindemann, c'est prouver que si alpha n'est pas nul et est algébrique, réel ou complexe, E exposant alpha est transcendant. Donc c'est beaucoup plus fort qu'Hermite. Ici, on prend l'exposant 1, qui est bien algébrique ou nul. Ok, donc on retrouve Hermite, comme bête cas particulier. Donc exemple, ces nombres-là, on sait maintenant qu'ils sont transcendants. E exposant 7, la racine cubique de E, puisque c'est E exposant 1 tiers, E exposant racine de 2, E exposant i, tout ça est transcendant. Et alors maintenant, comme bête conséquence, pi est transcendant. Donc vous voyez, Lindemann a un théorème super fort, dont une conséquence ridicule est que pi est transcendant. Mais de son théorème, on déduit que E est transcendant et aussi pi. On fait d'une pierre deux coups. Alors, vous pouvez dire comment démontrer ça. Ben, supposons, par là, c'est bête, aussi bête comme chou. Je ne fais que les démonstrations qui sont bêtes comme chou. Alors, procédons par l'absurde. Supposons que ce soit faux. Alors, pi sera algébrique. Juste. Algébrique forme un champ. Et on sait que I est algébrique. Okay? Donc, si je fais le produit de I qui est algébrique par pi qui est algébrique, je reste dans les algébriques complexes. Okay?
ceci est un algébrique. Ce n'est pas mieux. Alors j'applique le théorème de Lindemann. Donc, c'est la ligne d'après. Donc, par l'infinité, je n'ai pas envie de vous montrer ça tout de suite. Donc, E exposant I, pi est transcendant. Alors là, désolé pour les étudiants de Réto qui n'ont pas encore vu, vous aurez voir un séjour. Donc, par Lindemann, ceci serait transcendant. Oui, mais ça, c'est moins 1. Et moins 1 n'est évidemment pas transcendant. Contradiction, youpi, c'est fini, pi est transcendant. Vous voyez donc, quand on dit Lindemann a prouvé que pi est transcendant, c'est vraiment abaisser un peu ce qu'il a fait. Alors, conséquence immédiate, mais je n'ai pas le temps de m'attarder là-dessus. À partir du moment où on sait que pi est transcendant, et donc on le savait dès 1882, le fameux problème grec de la quadrature du cercle, c'est-à-dire, étant donné un cercle, construire à la règle et au compas un carré qui a la main mère, et là, il faut bien préciser ce qu'on appelle construire à la règle et au compas. Ça prend du temps. Eh bien, la quadrature du cercle est impossible à la règle et au compas. Je ne vais pas expliquer comment, mais on l'a en prime cadeau. Il y a plein de gens encore actuellement qui ne savent pas ça. Il y a encore plein de gens qui écrivent au recteur, j'ai une démonstration de... Alors on envoie ça au département de maths. On ne lit même pas. On dit, monsieur, allez voir dans tel bouquin. Enfin bon, si vous connaissez quelqu'un qui dit qu'il l'a fait, vous lui dites de faire des confettis avec sa démonstration. Alors il y a quelque chose de plus joli, regardez. Ça c'est peut-être une propriété que vous ne connaissez pas. Tout le monde connaît la fonction exponentielle en base E, que j'ai dessinée là. Grossièrement, E exposant X. Donc, je prends la courbe d'équation Y égale E exposant X. Ben voilà. Je prétends que sur cette courbe verte, le seul point dit algébrique, donc le seul point dont les deux coordonnées sont algébriques, c'est le point d'abscisse 0 d'ordonnée 1. Pourquoi ça? Pas tout bête. Regardez. Donc, je prétends que tous les autres points verts ont au moins une des deux coordonnées transcendantes. Alors, j'y vais, hein. Vous allez voir, c'est ridicule. Hein. Je prends un point vert. Son abscisse est ou bien transcendante, ou bien algébrique. Si elle est transcendante, l'abscisse, ben, le point n'est pas algébrique. Il a son abscisse transcendante. Et s'il est algébrique, comme ce n'est pas celui-là, son abscisse est algébrique, non nul. Donc vous appliquez le théorème de machin, de Lindemann, et vous avez que l'ordonnée est transcendante. Alors, quand on y pense, c'est miraculeux, parce que regardez, pensez aux points rationnels. Les points rationnels dans R2, ils sont denses, il y en a partout. Où que vous soyez, il y en a toujours qui sont aussi proches que vous voulez de vous. Ça va ? Mais c'est encore pire avec les algébriques. Les algébriques sont encore plus denses. Donc, il y en a partout. Mais pas enfin, partout. Non. Partout, aussi proche qu'on veut de l'endroit où vous êtes. Donc, il y en a tout plein, tout plein. Et alors, ce qui est miraculeux, c'est que, à ce petit accident après, la courbe verte arrive à se faufiler. Donc, on se demande par où je vais passer pour ne plus en toucher aucun, et elle y arrive. Elle se faufile au travers de ce nuage super dense de points algébriques, et elle ne touche celui-là. Donc voilà, c'est joli. Ça explique aussi pourquoi on appelle parfois une courbe comme ça une courbe transcendante. Alors, rassurez-vous, dernier transparent de cette partie. Tiens, je vais vraiment en mettre. Allez. Qu'est-ce qu'on a fait après Lindemann? Eh bien, Lindemann s'est associé avec Weierstrass et il a démontré un gros théorème qui contient comme cas particulier le théorème de Lindemann, mais je ne vais pas l'énoncer parce qu'il est un peu plus délicat. Je vais juste énoncer. Donc, ils ont fait beaucoup plus que ceci. Mais eux arrivent à prouver que si vous prenez un nombre algébrique non nul, le sinus et le cosinus de ce nombre sont aussi transcendants. Maintenant, on connaît beaucoup de nombres transcendants. Hein. Tous les E exposants algébriques non nuls, tous les sinus d'un algébrique non nul, tous les cosinus d'un algébrique non nul. Bon. Et alors maintenant, Hilbert arrive. C'est toujours le même Hilbert, toujours à Paris en 1900. Et là, Hilbert, donc, je vous l'ai dit tout à l'heure, je vais le redire, il fait une conférence où il propose 23 problèmes très difficiles et importants pour lui. Qui devrait occuper les mathématiciens pendant tout le XXe siècle. Et son septième problème est le suivant. Que peut-on dire de la transcendance de 2 exposant racine de 2? Oui, c'est pas E, là, c'est 2. Et voilà. Alors, il explique un peu que c'est important et qu'on devrait pouvoir généraliser. Et ce qu'on sait, c'est que rentré à Göttingen, il a fait un séminaire sur les problèmes qu'il avait proposés à Paris.
et il a dit aux jeunes étudiants qui étaient dans la salle, il a dit, écoutez, le grand théorème de Fermat, j'en ai même pas parlé, parce que ça va venir très vite. Bon, c'est quand même Wiles en 1900, et Taylor en 1993-94. Bon. Comme quoi les grands hommes peuvent se tromper. Hein. Il a dit, la conjecture de Riemann, l'hypothèse de Riemann sur la fonction de zeta, qui est l'un des problèmes les plus compliqués de maths, il a dit, peut-être que les plus jeunes d'entre vous verront la solution. Ils sont tous morts depuis, on n'a toujours pas la solution. Il a dit, par contre, le septième problème, personne dans cette assistance ne verra la solution de ce problème. Dixit Hilbert, dans son séminaire à Göttingen, ça c'était donc en 1900 plus epsilon, et en 1934, Gelfond Schneider prouve non seulement que ce nombre est transcendant, ça a été très vite, hein. Il y a encore un des 23 problèmes qui étaient résolus avant, c'est le problème de D. Enfin, voilà. Et il démontre ceci. Vous allez comprendre pourquoi je vous dis tout ça. Attention, il faut s'accrocher. Là. Bon. Donc je m'intéresse au problème de la forme alpha exposant bêta. Je suppose que alpha et bêta sont tous les deux algébriques, que alpha, le nombre du dessous, n'est pas nul et n'est pas égal à 1, et que l'exposant bêta est irrationnel. Donc c'est bien le cas de ceci, hein. 2 est algébrique, n'est pas égal à 0, n'est pas égal à 1, et racine de 2 est algébrique, irrationnel. Eh bien, dans ces conditions-là, il montre Gelfond Schneider, alpha exposant bêta est transcendant. Donc, il répond à la question d'Hilbert. OK ? Youpi ! C'est transcendant. Alors, je termine en vous montrant que, vous allez voir que je deviens fou, vous allez appeler le 101, je ne sais pas quoi. Mais... Regardez, donc, avec ce théorème, on va pouvoir maintenant démontrer en une ligne, en une demi-ligne, que E exposant pi n'est pas transcendant. Rappelez-vous tout à l'heure quand j'ai dit qu'est-ce qu'on ne sait pas ? On ne sait pas, et j'avais mis que on ne sait rien de pi exposant E, de E exposant E et de pi exposant pi. Peut-être que certains d'entre vous se sont dit pourquoi il n'est pas E exposant pi ? Parce que ça, on sait, c'est transcendant. Mais, vous voyez, normalement, vous vous dites. Ben, il n'a pas compris l'énoncé du théorème qu'il vient d'expliquer, parce que vous avez E, c'est le alpha, et E n'est pas algébrique. Et pi, c'est le bêta, il n'est pas algébrique, donc comment voulez-vous prouver ça? Alors je sais que, bon, donc désolé pour mes collègues mathématiciens, je vais le faire formellement et à la grosse louche. Mais ceux qui ne savent pas pourquoi c'est à la grosse louche, diront que c'est rigolo. Ben, regardez, mais voilà l'idée, elle est presque bonne, hein. Je ne vais pas tout vous montrer d'un coup. Donc, comment est-ce qu'on le déduit quand même ? Eh bien, on dit que E exposant Ipi, c'est E exposant Pi, c'est E exposant Ipi, le tout exposant I. Juste, hein ? Mais E exposant Ipi, c'est moins 1. Donc, E exposant Ipi, c'est. Alors là, je voudrais dire, c'est une des valeurs de moins 1 exposant i. Bon, ok, mais c'est moins 1 exposant i. Ah ah, moins 1 est algébrique non nul différent de 1, et i est algébrique irrationnel. Hein. I n'est pas un nombre irrationnel. Youpi, c'est fini. Voilà. Donc on a que e exposant i est irrationnel, et est transcendant. Et donc il reste ceux-là, ça on ne sait pas. Peut-être que nous mourrons tous sans l'avoir, sans savoir. Voilà. Ah, j'ai 3 minutes de retard. Donc. Je termine transcendant, mais il y a encore des tas de choses qu'on pourrait dire. Hein. Il y a des tas de conjectures non résolues. Bon, je termine la dernière partie, celle que vous ne connaissez probablement pas ou très peu. Donc, je vais vous parler maintenant des nombres réels normaux. Ah. Alors, je vais d'abord dire intuitivement de quoi il s'agit. Donc, et puis, je vais formaliser un tout petit peu pour que on est bien compris. Donc, je prends un nombre réel. Je vais dire qu'il est normal en base 10. Tout à l'heure, je dirais ça dans une base quelconque. Mais si on a compris en base 10, on a compris dans n'importe quelle base. Je vais dire qu'il est normal en base 10 si, dans son écriture décimale, après la virgule, donc on ne s'intéresse pas à ce qui précède la virgule. Il y a qu'un nombre fini de chiffres, on les oublie. On ne regarde qu'à partir de la virgule. Si dans son écriture décimale, après la virgule, chacun des 10 chiffres décimaux apparaît avec la même fréquence, pile poil un dixième. Vous allez me dire, c'est quoi la fréquence ? Je vais définir. Et chacun des 100 couples de chiffres, donc 0, 0, 0, 1, 0, 2, 0, 9, 1, 0, 1, 1, 2, il y en a 100, chacun des 100 couples de chiffres apparaît avec la fréquence 1 centième, etc. Chacun des 1000 triples de chiffres, nana. Donc, voilà, si on a ça, on dit que le nombre est normal en base 10. Autrement dit,
dans un tel nombre, vous allez trouver n'importe où dans son développement décimal après la virgule, n'importe quel bloc de chiffres que vous vous donnez. Il faut bien qu'il apparaisse au moins une fois, même une infinité de fois. Alors, je formalise vite, regardez, pour que ce soit bien clair. Ce nombre réel, ben, je m'intéresse pas aux nombres qui sont avant la virgule. Pourquoi? Parce que j'en tienne compte ou que j'en tienne pas compte, il n'y en a qu'un nombre fini, et ça ne va pas changer la fréquence d'apparition des chiffres. Donc, je regarde à partir de la virgule. Et j'appelle les chiffres décimaux x1, x2, x3, xn, xn plus 1. Et le bloc formé des n premiers chiffres décimaux, je l'appelle grand Xn. Ça va ? Et puis je vais faire tendre n vers l'infini. Donc ce bloc va envahir tout le développement décimal. Xn, c'est ça. Et maintenant, je me donne arbitrairement un bloc de k chiffres décimaux. Par exemple, bon, prenez votre date de naissance, je ne sais pas, le 6 mars 1994, vous mettez 06-03-1994. Bon. Vous me demandez, est-ce que je trouve ma date de naissance dans ce développement décimal? Si le nombre est normal, on va se dire oui. Donc, je prends n'importe quel bloc de cas chiffre, aussi grand que vous voulez, mais fini. Hein, et j'appelle grand N de BK XN, le nombre d'apparition de ce bloc dans le bloc XN des N premiers chiffres. Je compte le nombre de fois où ce bloc apparaît. Pour que ce soit bien clair, j'ai pris, voilà le début du développement décimal d'un nombre réel, j'ai pris x9, si je demande que vaut grand N de 232 x9, ben 232 apparaît une fois là, encore une fois ici, vous allez dire ça se recoupe, oui, ben, ça apparaît deux fois, et puis c'est tout, donc grand N de 232 x9 c'est 2. Grand N de 5x9, ce serait 1, 2, 3. Donc, vous voyez, jusque-là, c'est bien. Et alors maintenant, là, il faut peut-être s'accrocher deux minutes. On va dire que alpha est normal en base 10 si ce nombre d'apparitions de BK dans XN divisé par N tend, quand N tend vers l'infini, c'est-à-dire quand ce bloc XN envahit tout le développement décimal, vers la fréquence qu'on espère. Donc, il faut que cette limite existe et il faut qu'elle soit pile poil égale à ça. Mais ça doit être vrai pour tout cas et pour tous les cas. Donc s'il y a une infinité de conditions, vous voyez ça. Quelle que soit la longueur du bloc et quel que soit le bloc ayant cette longueur, on doit trouver que la limite existe pour ça. Donc c'est super fort, super super fort. Donc on se dit, oh là là, il n'y a pas, sûrement pas beaucoup de nombres qui satisfont ça. Alors je vais. Alors, on pourrait se dire aussi, c'est une condition très forte, probablement que tous ces nombres-là sont transcendants. Mais non, ce n'est pas vrai, parce que, exemple très simple, rappelez-vous, le nombre transcendant de Liouville de tout à l'heure, ben, il n'est pas normal en base 10. Pourquoi? Parce que les seuls chiffres qui apparaissent sont des 0 et des 1. Donc la fréquence d'apparition du chiffre 2 est nulle, donc ce n'est pas un dixième, donc il n'est pas normal en base 10. Ce qui vous montre qu'il existe des nombres transcendants qui ne sont pas normaux en base 10. Ah, aucun nombre rationnel n'est normal en base 10. Pourquoi ça? Je vais vite. Hein. Parce qu'on a revu un nombre rationnel, quand on va suffisamment loin, on trouve un bloc de chiffres qui se répète indéfiniment. Alors on fait un petit calcul et on voit que ce bloc, à cause de ça, il aura une fréquence trop élevée. Il n'aura pas la fréquence attendue. Donc les rationnels ne sont jamais normaux en base 10. Certains transcendants ne le sont pas. On pourrait dire, alors, parce qu'on va au moins en voir un, le premier qu'on a montré, c'est celui-ci. Et il est très facile à écrire. Vous mettez 0, et alors vous écrivez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, indéfiniment. Donc il est parfaitement défini, et on démontre, mais c'est pas évident, mais ça prend une petite page, qu'il est normal en base 10. Ça a été fait par M. Champernowne en 1933. Donc ce nombre-là est normal, ça n'a pas l'air. Hein? Ce qui est clair, c'est qu'à l'intérieur du développement décimal de ce nombre, vous trouvez au moins une fois n'importe quel bloc. Parce qu'un bloc, c'est un nombre de cas chiffres. Et comme tous les nombres de cas chiffres apparaissent, vous allez le trouver au moins une fois. Si vous réfléchissez une demi-seconde, vous voyez que vous allez même le trouver une infinité de fois.
Et ce qu'il faut trouver, c'est que vous le trouvez avec la bonne fréquence. Donc, voilà, chouette, ça c'était un onde normal en base 10. Il est même transcendant, ce qui est beaucoup plus difficile à prouver. Ça a été prouvé par Mahler, c'est pas Gustave, hein, c'est pas le compositeur, c'est Kurt Mahler. Bon, voilà, et alors, ça je vous laisse comme bête exercice aussi. Si on modifie arbitrairement un nombre fini de chiffres d'un nombre normal en base 10, le nombre obtenu est encore normal en base 10. Et attention, la justification n'a rien à voir avec celle qu'on a fait, les deux qu'on a fait tout à l'heure. Ici, il faut savoir remarquer que le fait de modifier un nombre fini de chiffres ne va perturber que le début du développement décimal après la virgule, et ça ne va pas perturber la limite en question. Donc, si c'était bon avant. Et alors maintenant, conjecture. Bon, racine de 2 est-il normal en base 10? On n'en sait rien. E, on n'en sait rien. Pi, on n'en sait rien. Voilà. On ne sait pas si ces nombres sont transcendants, sont normaux en base 10. Ah, alors, j'arrive au bout. Il y a encore 4 minutes, mais je vais peut-être demander 6 minutes. voilà. Mais, pi, on pourrait... Beaucoup de gens se sont dit, oui, mais regardons un peu statistiquement les décimales de pi. On connaît les décimales de pi. On connaît beaucoup, beaucoup, beaucoup de décimales de pi. Actuellement, on en est à 5000 milliards. Donc, si vous allez voir dans la littérature, vous allez trouver qu'un Japonais, un certain Canada, en avait construit déjà plusieurs milliards. Mais actuellement, deux autres Japonais, qui s'appellent M. Yi et M. Kondo, en août 2010, ont prouvé que pi est connu, enfin, ont calculé 5000 milliards de décimales de pi. Bon, donc, je vous dis, on peut faire des tests statistiques, là, dans un long pixel, hein, voir combien, avec quelle fréquence apparaît apparaît chacun des chiffres, chacun des couples de chiffres là-dedans. Bon. Eh bien, voilà ce que ça donne. Le nombre d'apparitions, je vais simplement vous donner pour les 10 chiffres, mais si vous allez sur le web, vous allez trouver les résultats pour les couples de chiffres, les triples de chiffres. Mais pour les 10 chiffres, voilà ce que ça donne. Et on s'est dit, waouh! Donc, pour chacun des chiffres de 0 à 9, ben vous trouvez que le nombre de fois où ça apparaît dans les 10 exposants 12 premières décimales. Donc on ne va pas jusque-là, on va jusque 10 exposants 12. Mais voilà ce que ça donne. Donc, voilà. Si je divise par 10 exposant 12, on est très très proche de 1 dixième chaque fois. Ça ne prouve rien. La preuve que ça ne prouve rien, je vous signale qu'un problème qui a l'air stupide, mais qui ne l'est pas, donc non seulement on ne sait pas si pi est normal en base 10, mais un problème non résolu est, je l'ai écrit en dessous, est-ce que chacun des 10 chiffres décimaux apparaît une infinité de fois dans le développement décimal de pi? C'est pas normal que le chiffre 3, après être apparu ce nombre-là de fois, au bout d'un certain temps, décide de ne plus jamais apparaître. Ah, ok, ben personne ne sait ça. Donc, on n'en sait rien. Mais il y a 10 choses à prouver. Il faut prouver que chacun des chiffres apparaît une infinité de fois. Pensez bien que si déjà ça, on ne le sait pas, on est mal barré pour trouver que pi est normal en base 10. Si vous aimez les décimales de pi, je vous signale aussi que il y a, pour ceux d'entre vous qui connaissent la chanteuse Kate Bush, il y a une chanteuse qui s'appelle Kate Bush. Si vous achetez le CD qui s'appelle Aerial, vous voyez que le deuxième, A Sea of Honey, la deuxième chanson qui dure 6 minutes et 8 secondes, c'est long, hein. Ça s'appelle pi. Et elle vous chante les premières décimales de pi. C'est joli parce qu'elle a une jolie voix. Elle attend qu'elle vous chante 3, 1, sur un joli, jolie mélodie. 3, 4, 5. On le trouve à la Fnac. Les autres, ben, on s'en lasse vite. Hein, on s'en lasse. Alors maintenant, regardez. Ce que j'ai dit pour les nombres normaux en base 10. Vous avez tous compris qu'on adapte les définitions pour dire quand est-ce qu'un nombre est normal en base B, en base 2, en base 3, en base 4, en base 673, ainsi de suite. Je vais vous montrer quelque chose de rigolo. Je vais vous montrer les décimales de pi en base 2.
En base 2, il n'y a que deux chiffres, des 0 et des 1. Alors pour qu'on les visualise bien, on les a mis. Il y a 512 lignes dans ce tableau. Dans chaque ligne, il y a 512 petits pixels. Le pixel est noir si le chiffre vaut 1. Il est blanc s'il vaut 0. Et donc là, vous avez, en d'un coup d'œil, les 262 144 premiers chiffres binaires du développement décimal de Pi. Avouez que, est-ce qu'ils ont l'air d'apparaître avec la même fréquence de Pi? Ça a l'air d'être un beau gris uniforme. Hein? On ne voit pas de gros trous blancs. Et on ne voit pas « Hi, how are you ?» et puis on a. Donc voilà. Ah ! Je l'ai mis à l'envers. On commence avec trois virgules. Les trois en binaire, c'est 1, 1. Donc ça va commencer avec deux traits noirs. Si vous regardez bien ici, ça commençait par. Ben voilà. Donc, on se dit probablement que Pi est aussi normal en base 2. Probablement qu'il est normal dans toutes les bases. Et alors, monsieur Émile Borel, que les étudiants de maths à l'UNIF connaissent bien, le voilà à l'époque où il a démontré le théorème que je vous parlais maintenant. Émile Borel, c'est pas le portrait qu'on voit d'habitude. C'est Émile Borel jeune. C'est lui qui a introduit le premier la notion de nombre normal. Et il va dire ceci. Donc il va aller plus loin que ce qu'on a vu. Il va dire un nombre réel est normal, tout court, s'il est normal dans toutes les bases. Quelle que soit la base dans laquelle vous allez écrire le nombre, il doit être normal dans cette base. Donc c'est une infinité de conditions. Juste, hein, parce qu'il y a une infinité de bases possibles à partir de la base 2. Voilà. Alors vous pourriez dire, oui, mais... Probablement que quelqu'un va démontrer que si un nombre réel est normal dans une base, il l'est dans toutes les autres. Sale blague, non. Donc en 59, Cassels prouve que donc il donne des exemples montrant qu'un nombre normal dans une base ne l'est pas nécessairement dans une autre. Donc ça a un sens de demander tout ça. Et alors maintenant, voilà le clou du spectacle. Je déborde un peu. Le clou du spectacle, c'est ceci. Je ne sais pas si vous devinez. Théorème d'Émile Borel, 1909. Il a commencé par ça. Hein. Théorème presque incroyable. Presque tous les nombres réels sont normaux. Voilà. Donc, c'est comme tout à l'heure. Si vous prenez un nombre réel au hasard, la probabilité qu'il soit normal vaut 1. Maintenant, vous comprenez pourquoi Borel les a appelés normaux. En général, dans une population d'objets ou d'individus, on appelle normaux les gens qui ont une caractéristique en majorité, quoi. Bon. Enfin, oui. Même avec des êtres humains, on fait ça. Hein. Les anormaux, c'est ceux qui... Il y en a moins que les normaux. Bon. Donc voilà. Donc il les a appelés normaux. Ah ah ! Et alors maintenant, il y a plein de problèmes. Première conjecture. Ben, racine de 2, E et Pi sont normaux. Tout le monde est prêt à le croire. Tout à l'heure, je vous ai dit, on ne sait même pas s'ils sont normaux en base 10. On ne connaît aucune base dans laquelle racine de 2, E et Pi sont normaux. Donc voilà. Mais on est prêt à croire ça. Et alors, deuxième conjecture, ce sont les deux grosses conjectures, surtout la deuxième. Tout nombre algébrique irrationnel est normal. Donc, par exemple, racine de 2, en particulier racine de 2 serait normal. Mais racine de 7 moins racine de 17 serait normal aussi. Ça, on ne sait pas. Ok, et alors maintenant vient la super mauvaise nouvelle. Vous pouvez presque deviner, si vous avez été attentif malgré la chaleur. Donc, presque tous les nombres réels sont normaux. Rappelez-vous le pauvre Euler qui définit des nombres transcendants et puis il meurt sans en avoir vu. Eh bien, actuellement, on ne connaît explicitement aucun exemple de nombre normal. Même pas un. Oui, on connaît le nombre de Champernowne, par exemple, qui est normal en base 10. Vous allez dire, oui, mais celui-là, on doit bien réussir à prouver que s'il est normal en base 10 et qu'on l'écrit en base 7, il sera normal aussi. Ben, bon amusement, personne ne sait faire ça. Quel beau jour, voilà. Donc, on en est là. Alors maintenant, je vais fantasmer un petit peu. S'il s'avère que Pi est normal, j'ai encore une dernière petite chose. S'il s'avère que Pi est normal, en particulier normal en base 10, alors, mais là, ça devient du fantasme.
alors évidemment, vous trouveriez dans le développement décimal de pi, bah oui, mais de racine 2 aussi, c'est racine 2, là, vous trouveriez quoi? Votre date de naissance, une infinité de fois même. Vous trouveriez, je ne sais pas quoi, Notre-Dame de Paris de Victor Hugo, vous avez dit comment? Ben oui, il suffit de dire, la lettre A, je la représente par le couple 0,0, la lettre B par 0, l'espace entre deux mots par 23, la virgule par... Donc, vous traduisez tout en couple de chiffres, donc quelque part, si pi est normal, en base 10, vous allez trouver une suite de chiffres qui, décodés convenablement, vous donne pile poil Notre-Dame de Paris. Et vous allez même trouver Notre-Dame de Paris à la virgule près une infinité de fois. Juste, hein? Mais vous allez aussi trouver un Notre-Dame de Paris que Victor Hugo n'a jamais écrit, avec la seule petite différence que Esmeralda s'appelle, je ne sais pas moi, Vanessa van de Meulebroek. et Quasimodo s'appelle, je ne sais pas moi, Bart. Et vous allez aussi trouver toutes les chansons des Beatles. C'est après tout une chanson des Beatles, on digitalise, ce n'est qu'un nombre fini, c'est un bloc de chiffres. Hein, donc vous allez trouver toutes les chansons des Beatles, vous allez trouver tous les films qu'on a filmés. Parce qu'après tout, chaque image d'un film, c'est des pixels, on peut digitaliser, un nombre fini d'image, le son qui fiche, donc vous allez trouver tous les films. Vous allez trouver le film qui aura le grand prix du Festival de Cannes dans 10 ans. Il est déjà là, mais où? Et puis il y a même un autre problème. On ne sait pas où il est. Et même on trouve toute information et son contraire. On trouve que, quelque part, on vous dira que, je ne sais pas, que la capitale de la Belgique, c'est Bruxelles. Une infinité de fois on vous dit ça, mais une autre fois on vous dit la capitale de la Belgique, c'est Zbrinjev. Okay, donc tout apparaît. Mais, donc, c'est loufoque de dire avec ça, on trouverait n'importe quoi. Certains appellent ça des noms d'univers. Mais en plus, ce que certains physiciens ont remarqué, c'est que combien de décimales de pi peut-on espérer voir, enfin, stocker quelque part un jour? Eh bien, les physiciens se disent, ben, on n'en verra jamais plus que 10 exposants 80. Donc actuellement, on en a 5 fois 10 exposants 12, mais pas plus que 10 exposants 80. Parce que pour les calculer, il faudrait d'abord mettre toute l'énergie de la civilisation, utiliser toute la matière de l'univers. Et alors, imaginez que vous stockez une décimale par particule élémentaire, il y a environ 10 exposants 80 particules élémentaires dans l'univers, mettez une décimale par... Et puis vous faites quoi avec tout ce truc? Vous allez dire, on met ça dans un bouquin. Voilà. Mais, oui, donc là, quand je vais rallumer tout à l'heure, vous allez voir un site web. Donc si vous allez voir sur ce site, vous avez un petit programme auquel vous fournissez un bloc de chiffres, par exemple votre date de naissance, ou la date de naissance de quelqu'un à qui vous voulez souhaiter bon anniversaire, et la machine vous dit en une fraction de seconde, hein, j'ai encore essayé hier avec mon anniversaire, en 0,004 secondes, elle me disait, votre date d'anniversaire, elle est là, et la voilà, et voilà les chiffres qui précèdent, voilà sa position dans le nombre pi. Donc c'est pour s'amuser, hein. J'ai fini, mais je vais quand même encore vous dire une dernière chose, regardez. Jusqu'à il y a peu, on se disait, on n'arrivera jamais à trouver le pied normal. C'est même pas comment attaquer ce problème, qu'est-ce que vous voulez faire? Mais, il y a un tout petit espoir dû à un résultat de Bailey, Borwein et Plouffe. Simon Plouffe, bon, c'est un Canadien de l'université Simon Fraser University, je crois, quelque chose comme ça. Voilà, donc ces trois personnes, Bailey, Borwein et Plouffe, Plouffe tout seul. Bon, désolé, je ne suis pas encore tout seul. Donc, le troisième auteur, tout seul, a d'abord démontré cette très jolie formule. Et en fait, une fois qu'on connaît le truc, c'est très facile à démontrer. Ça tient sur une feuille A4, c'est compréhensible par un étudiant de première maths. Il faut savoir comment on développe un peu en série, il faut connaître quelques petites intégrales. Donc, le nombre pi, cette formule n'était pas connue du tout. Euhler aurait pu la trouver, mais il ne l'a pas trouvée, c'est M. Plouffe qui l'a trouvée. Pi
est la somme, donc c'est la somme d'une série, k lambda 0 à l'infini, de ce que vous voyez, c'est joli, hein, c'est joli. Comparé à cette formule jolie, voilà la formule qu'ont utilisé les deux japonais pour calculer les 5000 milliards de premières décimales de pi. Donc regardez bien, ceci qui est joli et qui est efficace. Et ça, c'est la formule utilisée par les deux japonais. Qui vient de travaux de Ramanujan, c'est pas beau, hein, mais c'est efficace. Et alors cette formule a ceci de miraculeux, c'est que, et ça c'est plouf, avec Bailey et Borwein, ils ont montré que cette formule, si on l'applique convenablement, mais j'ai pas le temps de vous expliquer, elle permet de calculer le énième chiffre de pi en base 2, mais aussi en base 16, hein, et même en base 8, en base 4, c'est surtout en base 2, sans devoir calculer au préalable tous les chiffres qui précèdent. Donc si vous manipulez bien cette jolie formule, et vous demandez, tiens, quel est le milliardième chiffre de pi en base 2, ben, on serait tenté de dire, il va falloir écrire tous ceux qui précèdent. Non, cette formule vous permet de dire, il vaut ça. Donc, ça donne une information sur des chiffres situés arbitrairement loin, sans connaître les autres chiffres. Et donc, les trois personnes-là disent, il y a un petit espoir, peut-être à cause de ça, de démontrer un jour que pi est normal en base. Et voilà, ce n'est qu'un tout petit espoir, mais vous voyez, ce sont des choses qui datent de 1997, et comme ils l'ont dit à l'époque, c'est étonnant que l'air n'ait pas trouvé ceci, tellement c'est facile. Voilà, voilà, voilà. Alors, comme il y a des étudiants dans la salle qui se demandent peut-être à quoi est-ce que tout ça sert, je vais ressortir deux choses que j'aime bien. Désolé pour mes collègues batteux qui connaissent un... Jacobi, le mathématicien allemand, a écrit un jour à Legendre en lui disant « Monsieur Fourier, Fourier disait « Oui, les maths, ça sert à résoudre des problèmes de physique, à faire des choses concrètes. » Et Jacobi disait « Monsieur Fourier avait l'opinion que le but principal des mathématiques était l'utilité publique et l'explication des phénomènes naturels, autrement dit, application à la physique. » Mais, dit Jacobi, un philosophe comme lui aurait dû savoir que le but unique de la science, c'est l'honneur de l'esprit humain. Et que sous ce titre, une question de nombre, vous voyez venir, hein, vaut autant qu'une question du système du monde. Et alors, encore une petite citation, la dernière, cette fois-ci, c'est Einstein qui a dit un jour, la recherche de la vérité, ou le fait de travailler sur des problèmes non résolus, est plus précieuse que la possession. Ok, ben voilà, merci beaucoup. La démonstration qui est normale dans les autres bases. C'est pas difficile de... Ah ! On l'a pas démontré. Ah non, on sait rien. Parce que ça supposerait qu'on doive le traduire dans les autres bases. Ah oui, oui, et alors il n'est plus aussi sympa. Voilà, mais alors j'ai une autre question. Oui. La question est celle-ci, si on construit dans chaque base un nombre de champs... Ah oui, 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 bonne question. À excellent. L'infini, excellent. C'est le même. Oui. Alors je voulais savoir... Je vois une verbe que tous les mardis à 6h15 sur Radio Campus passe son émission... scientifique, oui, il a l'air de poser les bonnes questions. Oui, j'aurais dû le dire. Donc, l'analogue du nombre de Champernowne dans une base quelconque, on démontre de la même façon qu'il est normal dans cette base. Mais si on l'écrit dans une base, et puis qu'à partir de là, on veut voir comment ce nombre-là s'est créé dans une autre base, ça n'est pas un nombre de Champernowne dans une autre base. Et alors, c'est que j'ai fait. Ah, j'espérais que quelqu'un me pose une question, comme ça, je peux sortir ceci. Non. Est-ce que ces polynômes, il y a des nombres transcendants qui ne sont pas normaux ou pas? Ah oui, on l'a vu tout à l'heure. Regardez le nombre de Liouville. Le nombre de Liouville. Oui, non, ok. Tous les nombres de Liouville sont transcendants et aucun d'eux n'est normal, puisqu'ils ne sont même pas normaux en base 10. Donc.
Et donc, ce qu'on croit, c'est que, ben oui, certains transcendants sont pas normaux, par exemple, tous les nombres de Liouville, et alors, il faut, pour des raisons de cardinales, il y a une infinité non dénombrable de nombres normaux. Si aucun nombre transcendant n'était normal, ils seraient tous algébriques. Mais ça, c'est gênant parce que les algébriques sont dénombrables, les normaux ne le sont pas. Il faut bien qu'ils s'enquêtent sur les transcendants, mais on ne sait rien de plus. Et tout à l'heure, on disait peut-être que tous les algébriques sont normaux. Oui, mais peut-être qu'il n'y en a pas. Peut-être qu'aucun algébrique n'est normal. Donc on ne sait pas. On ne sait pas comment se comporte la patate des normaux. Donc, voilà. Ah oui. Moi, je me demande ce qui a pu donner l'idée d'inventer ce concept de nombre normal. Parce que c'est une définition qui est quand même assez compliquée au départ. Si tu regardes la démonstration de Borel, il est connu en théorie des probas, en théorie de la mesure, hein, bon, le borélien, donc c'est un spécialiste de théorie des probas, théorie de la mesure, et il y a plein de théories de la mesure et de théories des probas dans sa démonstration. Donc pour lui, c'est un petit exercice. Maintenant, je vous signale que si vous allez voir sur le web, vous tapez nombre normal, qui s'appelle d'ailleurs parfois nombre absolument normal, vous allez voir que parfois on vous dit, mais on trouve de tout sur le web, on vous dit, oui, mais Vaclav Sierpinski, l'homme du fractal, en 1917, a montré un exemple de nombre normal. Vous allez voir, et non, ce n'est pas un exemple explicite, c'est quelque chose du genre, oui, dans la démonstration de Borel, il y a tel ensemble, on sait qu'il existe, on prend sa forme inférieure, on passe à la limite sûre, et on a un nombre normal. Oui, avec ça, on a. Bon, ce n'est pas un exemple explicite, quoi. Donc, les spécialistes vous disent tous, non, on n'en a jamais vu. Et on va peut-être tous mourir sans en voir. C'est très malheureux. Pour égayer l'atmosphère, je vous signale qu'en essayant de trouver une photo ad hoc de George Clooney avec sa tasse disant What else, mais elle a été mal photocopiée. J'ai trouvé, je ne sais pas si George Clooney fait de splendides films, il a loupé son prix d'interprétation masculine maintenant à cause de Jean Dujardin et des Nénias, mais j'ai trouvé que. Savez-vous quel est le titre du premier film dans lequel George Clooney est apparu dans un tout petit rôle? Ça n'a rien à voir, mais j'ai été tellement éparpé que, eh bien, en français, ça s'appelle L'attaque des tomates tueuses. C'est un film de série B, donc Attack of the Killer Tomatoes, donc tourné avec peu de moyens. Et si vous allez sur le web, vous allez voir plein de séquences du film. Il y a un personnage ici poursuivi par une tomate. Donc, il joue le rôle d'un type qui se fait tuer par une tomate. Voilà. C'était son tout premier rôle. Donc voilà, merci d'être venu. Et pour...